mais bon, je dirais. Ah, il y en a plusieurs quand même. Je dirais putain, je pense pour, comme beaucoup d'entre nous. Ou connard aussi, j'aime bien. Et puis tout dépend de l'intonation que tu mets. Des fois ça peut être dur, des fois c'est. Voilà, c'est affectif aussi. Oh, aucune idée. Je sais pas du tout. Comme je dis, des fois j'aimerais bien tester des petits. Voilà, des boulots, mais sur une journée. Ouais. Comme, je sais pas, par exemple, voilà, travailler comme caissière et tout. Je pense que bon, voilà, j'aimerais bien tester, mais une journée, pas plus, quoi. Après, je pense que voilà, y a des choses qui doivent être voilà, pas faciles de répéter tous les jours. Le plat que je sais mieux faire, je dirais un risotto, crevettes, betteraves, un truc un peu spécial, mais pas mal. Un petit foie frais aux pommes, voilà. Il y a plusieurs trucs, mais bon, pour choisir... Bah, j'ai vu la réponse Julie Barène, donc ça compte pas, parce que la petite veste de smoking, c'est... Ouais, effectivement. Une chemise blanche. Un truc très, très, très bête. Sortir la vaisselle de mon lave-vaisselle. C'est un truc qui m'insupporte. Pas de problème pour le mettre, mais pour l'enlever, je trouve que ça m'énerve. La thérapie du bonheur, un petit coup de fil avec des amis, voilà. Si j'étais un homme pendant une journée, ah, c'est pas mal ça. Déjà, je ferais pipi debout. Ma grimace préférée, je sais pas. Ouais, quand tu louches, je sais pas, j'en sais rien. C'est bon. Là, t'es sûr. Quand tu fais comme ça, tu vois. Ah, une petite médaille de bronze, d'argent, aux Jeux Olympiques. Ouais, voilà. Et le pire, un petit quart de finale du championnat du monde en 2010, contre l'Espagne. Le truc le plus fou, mais je sais pas si c'est... Enfin, c'est fou, mais d'un côté, c'est grave. C'est un jour de match, après un shooting de match. Voilà, on s'est arrêté pour aller chercher à manger, parce qu'on mange pas en groupe, en fait. Et on s'est arrêté, puis il y en a qui ont été chercher du mexicain, il y en a qui ont été chercher des sandwichs Subway. Voilà, c'était le repas d'avant-match, et ça m'a choqué. Et je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça qu'on mange ici avant les matchs. Je suis d'accord. on peut pas dire hein, ce genre de choses. Non, mais déjà, voilà. Être saoul alors que déjà on n'est pas majeur, voilà. J'aurais bien aimé jouer avec Diana Taurasi pour la voir au quotidien et voir comment elle est. Là, on veut. Ouais, je prendrais. Ah, mais non, je sais pas, avec tous les gamins quand même. Je dirais Angelina Jolie, mais. Sans les gamins. Parce que 5 gamins, d'un coup, non. À la rigueur, s'il y en avait un ou deux, d'accord, mais avec 5 ou 6 gamins, là, non. Mais bon, voilà, ouais. Angelina Jolie, ça serait pas mal quand même. Vaut mieux pas que je chante. C'est mieux pour tout le monde et pour moi, et donc je chante pas. Le premier truc qui me vient, ça va être dans Nemo, quand il dit oh, t'as trop de chance de parler baleine. Parce que voilà, c'était un petit truc et je me souviens, c'était plein d'hier, je crois que c'était avec Cathy Melin et donc. Parce qu'il fait comme ça, il fait no, même, je sais pas quoi. Et l'autre, il fait oh, t'as trop de chance de parler baleine. Une série, Revenge. Et là, je me mets à Grey's Anatomy. Voilà, classique. Le truc que je regarde au bout de 3 secondes et que je me mets déjà à chialer, donc n'importe quoi. Le pire cadeau qu'on m'ait déjà fait, en voyant les autres questions, j'y avais déjà pensé. Et je pense que c'est quelqu'un d'ici, de Bourges, une amie, Jennifer Roumet, qui m'a offert, là, quand j'ai déménagé dans ma maison, une bouteille dégueulasse qu'elle avait trouvée. Voilà, il faut toujours des cadeaux pourris comme ça quand tu fais une crémaillère. Et donc c'est une bouteille avec, je sais pas, de la pelouse dessus et puis un village, enfin un truc immonde. Mais je l'ai gardé, je l'ai toujours chez moi, bon, à la cave, mais je l'ai toujours. Donc voilà, ça a été, je pense, le pire de mes cadeaux. Là, tout de suite, être à la plage, tu vois. Bah, ça serait pas mal, ouais. Tout de suite, me retrouver à Hawaï, là. Tu vois, je claque des doigts et bim. Sur la plage abandonnée,
coquillages et crustacés.